Au moins, il t'a censuré, Mouboute lui cut les liens. Non, bah c'est pas gentil quand même. C'est pas gentil. Bon, ça peut être utile dans certains cas, je reconnais. Oui, tiens, il peint le même tableau qu'Hilargia. Non, c'était pas Hilargia, c'était Penny, non? Qui peignait toujours ce tableau-là dans la crise financière. C'était le tableau préféré de Penny, ça. Peut-être qu'Hilargia, elle peint le même aussi, hein, c'est juste que je m'en souviens pas. D'ailleurs, j'ai uploadé le prochain épisode. Il n'y a plus qu'à le publier. Il faut juste que je le mette. Je fasse la présentation et il y aura l'épisode 11. Je suis un petit peu en retard. J'aurais dû le publier lundi. On est mercredi. Bon. C'est un léger retard de 2 jours. Hein. Parce que j'avais fait ces achats pendant la fête des soldes. L'heure d'après facture. Mais oui, je vous en prie. Ah oui, ça. Ah bah c'est bien, c'est à la maison, mais t'as plus d'électricité. Et puis après t'as plus d'eau, et puis... Donc il nous faut environ 1000 euros pour construire un 3x3. Donc espérons qu'on y arrive. Rapidement, ça y est. Attends, bouge pas, bouge pas, bouge pas. Vendre un collectionneur, on pourrait pas faire un petit chef-d'œuvre là? Oh, on y est presque, dis donc. Je pense que un ou deux tableaux de plus, on va pouvoir au moins poser les murs. De toute façon, tant qu'on n'a pas de mobilier, on paye pas de facture. Donc, allez, niveau 6. Je pense que deux toiles et on peut aller poser les murs. Mais à mon avis, on va pas avoir le temps d'en peindre une deuxième. Il est fatigué. Ah, oh, ce serait bien qu'on pose les murs. Quand même. Allez. Alors, tu le vends. Tu dors. Allez. Ouais, 1096. On en fait un de plus et on va poser les murs. Le jour... La merveilleux moment, il a pu faire tout ce qu'il avait prévu. C'est génial. C'est quoi les prochains? Non, mais tu vas continuer à dormir. Hein. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi tu te réveilles? C'est quoi les prochains jours Premier épisode de la saison d'une série. Ah bah putain, si on pouvait avoir des jours fériés quand il y a l'épisode d'une série qui nous plaît. Franchement, je serais pas contre. Hein. Bon. Bah, tu vas redormir encore un petit peu. Ouais, ouh. Comment ça, les factures? Mais comment je peux avoir des factures? J'ai pas de maison, j'ai rien. Comment... Mais comment? Ah non, mais non. J'ai payé mes factures même sans mobilier. Ah bah... Le terrain compte aussi. Ah bah... Moi, de toute façon, je m'en fous de pas avoir d'électricité. Hein. Alors là... Tu as un terrain, ma chérie. Mais oui. Mais j'ai pas de sous. Oh, je m'en fous, je paye pas. Je suis une rebelle. Puis je m'en fous de pas avoir d'électricité. Ah ouais, non mais c'est chaud. Vas-y, peins une dernière toile classique et on va aller poser la maison. On s'en fout. Pas d'électricité, au point où on en est. Moi, je veux un lit, bordel. Allez. Allez. Pourquoi tu peins plus? Mais t'as envie d'aller aux toilettes. Tu vas y aller, je te promets que tu vas y aller. Utiliser. Allez, fais-moi ce tableau. Allez. Il sait que c'est le tableau avant de construire la maison, il veut pas le finir. Marc, attends, avant d'aller aux toilettes, tu vas le vendre. Tu vas peut-être pas faire des allers-retours pour rien. Allez. Ah, il est pas rendu. À mon avis, il va se pisser dessus avant la fin du tableau. Mais je lâche rien. Et je peux vendre les tableaux des autres?
Non, parce que bon. On va essayer. Ah bah non, je peux pas. Non, j'ai dit tu vends le tableau. Et après tu vas faire pipi. Utiliser. Est-ce qu'il y a à manger sur la table? Bah il y a à manger, mais je sais pas si c'est encore bon. Bon, ma foi, c'est encore bon. Allez, va. Donc 1343, normalement on peut poser une 3x3. Ça devrait être bon. Allez. Un petit pipi, un petit hamburger et on file à la maison. Enfin à la maison. On file sur le terrain vague pour construire 4 murs, un toit et... Et après on verra combien il nous faut pour un pauvre lit. Oh, ce serait bien qu'on ait une maison. Ouais, bah, le repas est rapide et frugal. Allez, à la maison. Alors, la maison, c'est pas là. La maison, c'est là. Un grand terrain vague. T'as vu, c'est là où tu vas habiter, Dina. Oui, oui, oui. Bon, pas tout de suite, parce qu'il faut... Pour... Il me faut une maison pour avoir Dina. Mais il précise pas la taille de la maison. Donc à partir du moment où j'ai une maison, un lit, et voilà, elle peut venir. Bon. Alors, on est parti. Donc on va quand même faire une maison, c'est un peu du grand art, on va se mettre au milieu, hein. Donc on va donc faire un carré en 3x3, n'est-ce pas? Attention. 2, 3, 1, 2 et 3. On peut peut-être même faire un 4x4, dis donc. Ouh, un 4x4. 5x5? Oh, 5x5, non, on va faire un 4x4, comme ça on va... Ah, peut-être avoir assez de sous pour mettre une porte et un lit et tout ça. Ouais, magnifique. Mais quelle est belle ta maison. Donc une porte pas chère. Le lit, le mieux en lit quand t'as pas de thunes, c'est celui à 315. Ah, être chaud pour le lit à 315. Donc une porte. Une porte à 50 simflouz qui soit pas trop vilaine. Non, hop, c'est celle-là qu'on va prendre. Voilà. Et aurait-on assez pour acheter un lit, n'est-ce pas? Rêve d'ado, le lit qui coussin poussière, coussin d'air, pardon, énergie 4, soulagement du stress. Ouais, non, bah c'est celui-là. Allez hop. Félicitations Olivier, tu as un lit et une maison. Quelle est belle d'ailleurs. Moi je pense que C'est quand même the bunker, hein. Moi, j'ai pas assez de sous pour mettre une fenêtre. Par contre, j'ai pas assez de sous non plus pour faire un tableau. Ça, c'est chiant. Du coup, on va aller ramasser les cailloux, hein. Parce que pour que tu puisses aller peindre des toiles, il faut de l'argent. Il y a des cailloux, là. C'est pas des cailloux, ça. Viens chercher de la grenouille, là. Non, allez, viens chercher la grenouille. De toute façon, l'autre fois, il n'y avait rien. Puis quand t'es venu, il s'est mis à tout avoir. Il y a des choses qui clignotent, là. Ah bah non. Pourquoi ça clignote s'il n'y a rien? On ne sait pas. Ça clignote comme ça, pour le plaisir. Bah, ça clignote partout, mais il n'y a rien de nulle part. Ah, bon bah, c'est mort. Bon bah vas-y, qu'est-ce que t'attends? Moi je cherche des cailloux, t'occupe pas de moi. On va chercher des grenouilles. Hop là là. Bon, y a pas grand-chose dans le coin quand même, hein.
Ah, c'est pas des cailloux ça? Si, c'est un caillou ça! Mais oui! Mais c'est bien sûr. Il a trouvé une grenouille. Oh, encore un caillou! Est-ce qu'il n'y en a pas d'autres qui sont apparus? Parce que des fois, quand tu t'en vas, tu reviens, il y a des cailloux qui apparaissent. Si t'as deux grenouilles qui valent cher, garde-les et fais-les se reproduire. Comme on peut le faire plusieurs fois par jour, ça rapporte pas mal de sous. Je sais même pas comment on fait se reproduire des grenouilles. Ah, bah si, elle vaut cher, 160. Bah voilà. Donc si j'ai une... Mais il faut que ce soit aussi une grenouille à 160. Et comment je reproduis des grenouilles, moi? Je sais reproduire des Sims, mais pas des grenouilles. Je regarde s'il y a rien. Ah, il y a rien. Bon. Allez, va chercher l'autre grenouille. Garde-la. D'accord, je la garde. Pas de panique. Mais bon, 166 floutes quand même. Tu cliques dessus, reproduire. Ok. J'ai pas besoin de la placer dans le monde. Je peux la laisser dans l'inventaire ou... Trouve une deuxième grenouille au moins à 100 simflouds. Ah bah, vous êtes marrante, vous. Ce que je peux, hein. C'est pas moi qui choisis, hein. Bon, pas sûr qu'il en trouve une de grenouille. Ah, alors combien elle coûte? 30. Ça va pas, alors. Alors, je peux essayer de la faire se reproduire, non? Mange pas de pain. Eh, 100! Du coup, je peux vendre celle à 30? Est-ce qu'elle peut se reproduire avec la celle-là, là? Je vais attendre un peu, parce que si ça se trouve, si elle peut pas se reproduire avec sous prétexte que c'est déjà sa grenouille à elle. Je l'aurai dans l'os. Oui, elle peut? Ok, donc je peux vendre celle-là. Non, pas celle-là. Oula. Celle à... Ah, bah elle va le 100, en fait. Ah non, 30. Je peux vendre celle à 30. Fait reproduire celle à 100. Ok, nickel. Bon. Non, c'est une fois, faut attendre. Ok. Bon, on a que 48 simflouz quand même, hein. C'est pas assez pour aller faire un tableau. Ah, t'as chaud. Bah oui, il fait chaud, mais c'est sûr que j'y fasse, moi. Canicula, bah... Chacun ses problèmes, hein. Moi, j'en sors de la canicule. Encore une grenouille. Elle est où? Bah non. Pourquoi encore une grenouille? Élever une grenouille. Ok, autant pour moi. Moi, je fais quoi? Je le vends? Je l'ouvre? Je l'ouvre? Je le vends? Petit sondage. Vends. D'accord. J'ouvre pas, alors. Bon, bah, allez. Il y a que des amiibos dedans ces trucs. Après, je sais pas combien d'essais. J'arrive enfin à regarder à peu près convenablement le live. J'ai raté quoi? Oh merde, depuis tout à l'heure, t'es en galère. Ah bah, c'est... Je compatis. C'est bon, je l'ai vendu. Bah, t'as raté. On a une maison. Regarde. Comment elle est belle. C'est un bunker. Même pas assez pour une fenêtre. Mais, oh, on a trouvé. Alors, la dernière fois que j'ai utilisé ça... Ouais, elle a... Mais si elle a un toit, regarde. Un toit plat. Un plafond, quoi. C'est... Voilà. La dernière fois que j'avais trouvé ça, je l'avais utilisé et j'avais fini avec une poupée vaudou à 900. Genre, t'as une maison. Ouais, j'ai une maison, ouais. 118 simflouz. Bah, tu vas aller peindre un tableau. Non, tu vas aller te laver là parce que c'est... Oh non, tu vas dormir. Tu as un lit. Regarde, tu as un lit. Oh, un beau lit gonflable. Comment tu vas trop dormir? Je l'ai fait aussi et pareil, poupée vaudou. Donc il faut que je trouve un caillou à creuser. Oh, j'ai le qui me gratte, désolé. Il faut que je trouve un cahier. Ouais, je suis en galère, mon frère est venu de vacances, donc il me prend toute la co. Ah merde. Ah ça c'est chiant. Je sais pas si c'est du 100%. C'est pas une maison, c'est un bunker. Fais ce qu'on peut avec ce qu'on a, hein. Excuse-nous. À ce prix-là, moi je trouve qu'on s'est plutôt... on s'en est plutôt bien tiré. Hein, on a quand même une 4x4, je crois, ou je sais même plus, ouais, une 4x4. Oh mon dieu, que c'est beau. Quelques heures et pouf. Allez, je vais aller à la salle de sport manger, prendre une douche.
Oh là là, c'est beau d'avoir un lit, ça change la vie, hein. Tu comptes finir bientôt ou pas? Bah non, pour l'instant, oh, je pense qu'on va aller jusqu'à minuit. Je pense que minuit c'est bon, à moins que tout le monde soit fatigué et s'en aille avant. Mais sinon, je pense qu'on va aller jusqu'à minuit. 11h30 minuit, quoi, voilà. Si tout le monde est en forme. Profitez-en, j'ai pas travaillé aujourd'hui, je travaille pas demain. Wouhou! Grosse ambiance, 3 jours de repos. Il faut le dire, c'est mieux que rien. Et en plus, le lit, donc c'est pas mal. Non, mais le lit, ça change la vie. Hein. Go marathon, 4h du mat. Oh my god. Oh là là, tu veux me tuer? Remarque, j'ai pas ma fille, donc c'est vrai que ce serait possible. Mais 4h du mat, il y aura plus que nous deux. On va faire un truc à deux. Si je vais pouvoir te voir, si je vais pouvoir te voir encore ou pas. Écoute, tu fais comme tu peux. Hein. Attends, alors, va manger. Mais mange pour pas trop cher parce que sinon on est mal. Pas que tu manges pour plus de 18 simflouz. Oh, encore une grenouille. Allez, chercher des grenouilles. Est-ce qu'on peut reproduire? Faire se reproduire avec celle-là. Et après, tu feras griller pour pas trop cher des pommes de terre. Ça a marché. Ah oui, ça a marché. Il me l'a pas dit, tiens. Bon, encore une à 100. Bon, on va la vendre. Voilà. 3 jours de repos, raison de plus pour un stream 24 heures. Un stream 24 heures, mais t'es malade. Faut que je mange, faut que je fasse pipi. Enfin, c'est pas possible, 24 heures. 35, d'accord. Allez, au revoir. Alors. Ouais, 241 Steam Plus. Non, il y aura moi aussi. Vous êtes malade. Vous êtes 24 heures. Mais comment ils font les gens quand ils font des streams 24 heures pour manger, pour faire pipi, tout ça. Enfin, des trucs basiques, quoi. Je parle même pas de dormir, hein. Juste manger, faire pipi, tout ça. Enfin. Allez, prends une portion, mon grand. Après, on va mettre ça dans ton inventaire, parce qu'après tout... Hop, c'est toi qui l'as fait. On a marre de nourrir tout le monde. Et on va aller... Pourquoi tu manges pas? Pourquoi tu finis pas de manger? Ils se font livrer et s'absentent quelques instants. Ah ouais, d'accord, bon bah. Oui, alors chez moi, tu vois, les livraisons à 23h ou à 4h du matin, faut pas trop y compter non plus, hein. Coucou, mettre sûrement des poches pipi. Ça doit être ça, Isaacax. Des poches pipi, des... Ils se font un... Merde, une poche... Une sonde urinaire et puis on n'en parle plus. Une porte de... Normalement, on a le droit qu'une prendre. Ah, pardon. Bon, bah. Il est où d'ailleurs? Bah, il est plus là. Ah, il est là. Hop. Placé dans le monde. Ils boivent des boissons. Ils portent des couches. Oh, les pauvres. Ils boivent des boissons énergétiques ou du café. Ils font des pauses quand il faut. Ah, ouais. Reproduis tes grenouilles. Ouais, mais je viens de le faire. Tu vois, je peux plus là. Bah, tu fais des pauses de 10 minutes sur le live pour le pipi et tu manges devant la caméra. C'est cool! Qui veut me voir manger? J'adore bouffer en public. C'est tellement fun. Voilà, c'est bon, t'as assez mangé. Ensuite, un petit pipi. Utiliser, prendre une douche. Et tu vas repartir au musée. À pipi, il se barre le temps qu'il faut. Manger, c'est devant la caméra. Dormir, ils se sont préparés avant. Ah, oh, c'est chaud quand même. Non, mais les mecs, ils assurent, hein, j'avoue. Hein. Bref, je rebobine bah, tout à l'heure. Ah non, les mecs, ils assurent. Faire 24 heures de stream, c'est chaud quand même. C'est chaud. Déjà, moi, l'autre fois, j'avais fait, je crois, 4 heures ou 5 heures
pour le live anniversaire où j'avais lancé tous les Sims les uns après les autres. Ouais, c'est pas bête ça. Et déjà au bout de 5 heures, quand le live est fini, t'es... Parce que ça demande de l'énergie quand même, faut... Non bah va pas là, va pas là, va pas là, va pas là. Putain mais... Non bah ça les gêne pas, tu me diras, c'est pas bien grave. Bon bah... Oh bah c'était Sonia, ça la perturbe pas. Et sinon elle met des collants sous sa serviette de bain. C'est normal. J'ai bien cliqué, ouais, méditative, ok. Aïe, 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 aïe. Non mais vestimentairement parlant, c'est dur à dire ça. Des fois, ils font un peu n'importe quoi quand même, hein. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me fais signe? Va à la douche. Oui, tu sens le fennec, c'est comme ça. Magnifique, il a presque toutes ses barres dans le verre. Et on va pouvoir aller... Non, ça c'est la boîte de nuit. Ça c'est la bibliothèque. Ça c'est le musée. Magnifique. Ah, je sais pas si je l'ai laissé finir sa douche. Comme je suis un petit peu blonde. C'est pas grave. Effectivement, elle avait pas fini la douche. Bon, bah tant pis. Écoutez, fera avec. Alors, toile classique, grande toile classique. Donc là, je pense que la base, ça va être une lampe quand même. Puis il va falloir qu'on pense à payer les factures, parce que sinon on n'a pas d'électricité. Et surtout une douche. Je sais pas combien ça coûte une douche, mais si on a la douche à demeure, si on peut mettre un gris, la douche et un chevalet... On est bien, on peut rester à la maison et gagner des sous sur place. Et du coup, après, faire venir Dina. 250 la douche. Ah bah putain, c'est pas donné, hein. Vous avez 24 heures, ouais, c'est ça. J'y penserai. Allez. Magnifique. Vendre. Toile classique. Grande toile classique. Plus des water, une poubelle. Ouais, c'est pas bête. C'est pas... Ouais, bah, c'est pas pour... On va se faire encore 1000 hein, avant d'équiper la maison, je pense. Avant de pouvoir y vivre, je pense qu'il nous faut encore 1000 simflouz. À mon avis, hein. Alors. Hop. Il va bien nous pondre un ou deux chefs-d'œuvre, un de ces quatre, quand même. Tu peux faire ça pour nous. Ah, ça va pas être tout de suite, hein, le chef-d'œuvre. Hein. Allez. Ah, mais là, ça va, ça monte vite. Hein. 728, on fait encore deux toiles, on est à 1000. Douche 250, WC 250, poubelle 155. On est à 500, 655. Un gris, c'est pas très cher, je crois. Bon, ça peut être pas mal. On va s'en sortir. Si j'invite Dina, il faudrait quand même que je prenne un lit de place, quoi. Parce que, bon. Mais je garderai le lit de place pour mettre les gosses. J'adore la musique de la convention geek. Allez, vas-y, continue. Et pourquoi t'as plus ton casque sur les oreilles? Hop, ça c'est pratique ça, le casque. Attendez, faire, hop, faire se reproduire avec. Écouteur, écoutez, hop, électronique. Ah bah j'en ai deux à 160, donc je peux virer celle à 100. Voilà, magnifique. Poubelle extérieure, c'est plus cher mais indispensable, ouais je sais. Gazinière, pas gris. Ouais, c'est vrai que je peux rien laisser à l'extérieur. Alors que je peux mettre un gris à l'intérieur aussi, hein. Mais ça prend feu. Un peu dommage. On ne crée plus que ça, qui crame.
Or que ce serait la fin. Gris 600, gazinière 135. Ah, c'est moins cher la gazinière. Bon. Eh ben, on est à peu près à 1000 là si on prend douche, WC, poubelle et gazinière. On peut le faire. Allez. On peut pas faire se reproduire. Faudra que je fasse un jardin aussi, un de ces quatre. Et faudrait que je trouve un caillou à creuser. Ça coûte surtout une blinde. Oui, le retour de la technique du casque. Bah écoute, j'avais jamais utilisé le casque. Et depuis que je fais des challenges pourris comme ça, je m'en sers beaucoup. Et salut Anna. Anna. On va s'arrêter là. Ça va bien et toi? Allez, c'est le dernier et on retourne à la maison pour acheter des meubles. Allez. Anas, ok, merci. Voilà. Un chef-d'œuvre, je sais. Ah bah 973 le chef-d'œuvre, c'est pas cher payé quand même, hein. Oh, magnifique. Allez, vends-le. Vas-y. Oui, t'as chaud. On en est tous là, hein. Allez. Youhou, 1800. On va pouvoir pomper la... faire péter le champagne, payer les factures. Il est pas beau, mon bunker, perdu au milieu d'Oasis Spring. Il déchire, quand même. Quel beau bunker. Avec ça, il peut y avoir la fin du monde, hein. Je suis parée. Alors, est-ce qu'on pourra rentrer tout ce qu'on veut acheter dans le 4x4? C'est pas un 4x4 d'ailleurs, c'est un 5x5, non? Je sais pas. Alors, on y va. Il est joli ton cube, t'as vu? Il est beau, hein. On a dit une douche. On a dit une douche. Une douche pas chère. Hygiène 9. Non, mais 600, c'est trop cher. Bah tant pis si c'est pourri pour l'instant, mais ça rentrera pas. Mais si ça va rentrer, t'inquiète. Tu vas voir. Voilà. Alors ça va pas être très au niveau de l'hygiène, tout ça, on va pas être raccord, hein. Genre les toilettes à côté de la... Ah ou alors attends, sinon... Voilà. Ensuite, on met des toilettes pas chères. Hop, les toilettes pas chères. Ensuite, on a dit... on a dit qu'on voulait une cuisinière. Voilà. On a dit une lampe aussi. Tu peux avoir un petit bébé chien pour te tenir compagnie après si tu peux. Alors on va pas tout de suite se prendre un chien, hein. On est déjà assez en galère comme ça. On va attendre un peu pour se mettre des difficultés. Donc on avait dit quoi d'autre? Un petit frigo, ça serait pas mal. Un frigo. Est-ce qu'on a les sous pour un frigo? Ouais, tranquille le frigo. Voilà. Oui, c'est pas à côté de la cuisinière, mais enfin, on fait ce qu'on peut. On avait dit aussi que ce serait bien d'avoir la lumière, non? Même si on n'a pas... Voilà, c'est ça y est, j'ai mis le plan de travail. On a dit une lumière. Une lumière. J'aime bien les rondes, là, pas cher. Ça va être dans quoi, ça? Éclairage. Éclairage. Genre celle-là. Pas cher avec éclair bien. Magnifique. Qu'est-ce qu'on avait dit d'autre? Je pense qu'on est bien, là, non? Une fenêtre peut-être, non? C'est pas mal une fenêtre. Ah oui, on avait dit qu'on prendrait un lit de place. Mais si on veut un lit de place, il faut agrandir le schmuche truc. Et un chevalet, ça coûte combien? Parce que si on a le chevalet, on bouge plus. Hein. Une poubelle. Ah oui, une poubelle. Et on a failli oublier la poubelle. Merci, Laure. Poubelle, poubelle. Je sais pas si on va pouvoir prendre une poubelle et un chevalet, mais...
Et je sais pas si j'ai le droit de mettre ma poubelle dehors. Quand même, la poubelle d'extérieur, je peux la mettre dehors. On est d'accord. On va peut-être prendre la moins chère, hein, plutôt. Genre celle-là. Elle coûte pas cher. Hop. Et combien me coûterait un chevalet, par exemple? Comme ça, je peins des toits, je bouge plus. Et je peux... agrandir la maison après. Nickel. Bah écoutez, ça rentre. C'est pas mal. Si c'est une extérieure, c'est pour le jardin que tu es limité. Ok. Ok, ok. Bah nickel. Écoutez, on est bien? On n'a pas mis de fenêtre par contre. Bon bah écoutez, on va... Ah oui, il faut qu'on paye les... Ah, faut qu'on paye les factures, parce que vu qu'on a mis l'électricité, ce serait con. Y a rien à creuser, là, pendant que je suis là, avec mon machin. Du coup, avec ma carte au trésor, là, ou je sais pas quoi. S'il y avait un petit truc à creuser, ça serait bien, non? Parce qu'il y aura peut-être des sous dedans. Enfin, des sous, un truc à vendre intéressant. Pff, ouais, que dalle, hein. Que dalle, que dalle, que dalle. On va descendre dans la pente, peut-être. Des fois, il y a des choses. Ah, bah le voilà. Alors, si on fait creuser à la recherche d'un trésor. Une petite fenêtre, c'est 50. On va voir combien on se fait avec le trésor. Tu peux pas partir dans une carrière. Non, je peux pas partir dans une carrière tout de suite. Pour pouvoir avoir un métier, il me faut... Alors attends, je vais te dire ça. Il me faut donc la maison. Un lit, des toilettes, une douche, un lavabo, une cuisinière, un comptoir, une chaise et un réfrigérateur. Donc, le lit j'ai, les toilettes j'ai, la douche j'ai. Il me manque le lavabo. Et une chaise. Ah, il faut que je paye 1000 simflouz pour un diplôme universitaire. Donc, il me manque une chaise, un lavabo et 1000 simflouz. Donc, ce qu'on va faire, c'est peut-être qu'on va déjà agrandir la maison, acheter un lit de place, acheter le lavabo, la machine, et après, on peindra des toiles pour pouvoir avoir un métier. Bien que, sincèrement, si j'étais pas obligée d'avoir un taf, je pense que je gagne plus d'argent en faisant des toiles que... qu'en allant travailler. Mais il me faut quand même... il me faut quand même un métier. Donc, j'ai pas le choix. Hop. Fais reproduire les grenouilles. Oui, merci. Voilà. Entre l'agre... Meurs de chaud. Oula, 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 oula. Dépêche-toi et rentre à la maison tout de suite. Il peut mourir de chaud ? Pour de vrai ? Rentre à la maison. Rentre à la maison, tout de suite. J'ai peur qu'il meure. Rentre. Vers le trésor plus tard. T'en manquerais plus que ça. Allez, rentre vite à la maison, dépêche-toi. Rentre, rentre ! Cours, cours, cours. Il ne peut pas courir. Il va mourir ! Mais il est en tenue d'été, il est en tenue d'été. Tenue. Changer de tenue. D'été, d'été, d'été. Ah, il est pas en tenue d'été, d'été. Ça se voit. Dépêche-toi, rentre en tenue d'été, là, ça va mieux, non? Ça va pas mieux, rentre vite! Il va mourir. Il va mourir, je vous le dis, il va mourir. Ouh là 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 là, je suis en stress. Dépêche-toi, mais cours, Forest, cours! Il va mourir. C'est sûr, il va mourir. Ouais, c'est vrai. Je stresserai moins si ça va plus vite. T'as raison, excuse-moi. Je suis tellement stressée que... Ah, c'est bon, il est pas mort. Il est pas mort, il est pas mort. Il est pas mort. C'est bon, il est pas mort. Dieu merci. Eh, c'est pas grave, tu iras chercher le trésor plus tard.
Quand cette nuit, tu vas chercher le trésor cette nuit. Non, mais il faut pas me faire ça. Hein. Quelle horreur. Ouais, bon, ça. Ce stress de l'angoisse. Non, mais vous vous rendez pas compte, c'est pas la première fois que j'ai un Sims qui meurt en plein challenge au moment où il devrait pas mourir. C'est quelque chose dont j'ai l'habitude, là. Si jamais il était mort, mais je me serais fait charrier jusqu'à la fin de ma vie, là. C'est pas possible. Hé, hey, coucou Lisa, je t'avais pas vu. Oh putain. Non, mais j'ai eu un gros moment de stress, là. Je vous dis, là, j'ai chaud et tout, quoi. Vas-y, peins une toile, ça va te détendre, ça va me détendre. Et puis après, t'iras aux toilettes, prendre une douche et dormir. Et on ira en pleine nuit chercher ce trésor. Allez, dépêche-toi. Au moins dans mon bunker. Eh ben, il a pas chaud parce qu'il n'y a pas de fenêtre. Allez, vends-le. Ouais, alors forcément, les toilettes à côté du frigo, lui-même à côté de la douche, c'est un peu, mais bon. Fait ce qu'on peut, hein. Dans son dur, hein. Hop, il faudrait qu'on agrandisse en fait. Combien ça coûte d'agrandir? Non, c'est pas ça que je veux. Ah bah on peut! C'est pas cher d'agrandir, dis donc! Voilà, nickel! Eh, il doit avoir un palace! On va agrandir encore un coup. Eh bah nickel! Du coup, on va essayer d'organiser un petit peu la maison. Et pourquoi? Tu peux pas le mettre là alors? Ah oui, parce que j'ai mis le frigo dans le mauvais sens. Voilà. Et voilà. Eh, nickel. Nickel! Yosono de retour. Eh, écoute, welcome back. Qu'est-ce qu'on fait? On se prend le lit de place tout de suite ou celui-là je veux pas le vendre parce que je veux le garder pour les enfants. Mais si je fous un lit de place là tout de suite, ça va. Allez, bah pour 120 de plus, on va agrandir encore. Et on se prendra un lit de place dès qu'on aura assez de sous. Eh, il est sympa, regardez-moi ce palace. Bah oui, t'as vu? Nickel, le compte sans banque.